Avec Cédric Arceran qui vient d'effectuer une rentrée à Bayakeno dans le prix Covicourt remporté par Aubryon du Gers. Une sixième place à la clé, vous l'avez trouvé comment cette tentative Cédric? Bon, écoutez, c'était pas si mal, hein. Il y avait une opposition sérieuse dans cette course et puis elle a bien prolongé son effort, elle était pas loin d'être au mieux je pense. Depuis, elle a pu bénéficier d'un laps de temps assez intéressant, 3 semaines, comment est-elle depuis? Ouais, ça s'est bien goupillé. On a pu retravailler comme il faut pour la course de samedi. Là, on devrait voir la Bayakeno au mieux, a priori. Et surtout qu'à cette période de l'année, elle est souvent la meilleure. En tout cas, le printemps lui réussit bien d'ordinaire. Oui, absolument. Elle est belle. Elle avait besoin sûrement d'une course la dernière fois aussi. Pour l'instant, tout va bien. Retour à Vincennes, vous appréhendez pas spécialement, je suppose? À chaque fois, je dis on va la courir en province, et puis finalement, c'est quand on va à Vincennes qu'elle court le mieux. Alors, vu que c'est un bel engagement fermé, on ne fait pas poser de questions. Les parieurs l'envisagent sereinement à l'arrivée, si elle a progressé sur sa rentrée? Si c'est la jument d'habitude, oui, devrait pas être loin du compte, mais a priori, pareil, il y a de l'opposition, il y a quelques chevaux en forme, j'ai vu. Hein. Ouais, mais dans les 5 premiers, ça paraît quand même être une belle possibilité. Ça devrait être jouable. La jument paraît bien toujours, donc ça doit être jouable.